Bref, j'en suis en d'aller aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui les amis on se retrouve du coup pour une vidéo très spéciale. Parce que du coup aujourd'hui c'est une toute première sur la chaîne. Donc du coup aujourd'hui qu'est-ce que l'on va faire? Aujourd'hui on va faire un ne choisissez pas le mauvais ballon de football. Et comme vous pouvez voir derrière moi nous avons donc du coup trois géants ballons de foot dans lesquels on va aller un par un. Et donc du coup dans chacun de ces ballons de foot nous avons donc du coup trois personnages différents. Et donc du coup à mon avis ça risque d'être plutôt sympathique. Donc alors je vais vous présenter du coup dès maintenant les personnages que l'on va avoir dans cette vidéo. Alors on aura donc du coup pour commencer Mbappé, donc Kylian Mbappé. On aura ensuite le personnage de Cristiano Ronaldo, voilà. Et pour finir, on finira avec le personnage de Lionel Messi. Donc voilà. Donc d'ailleurs, juste avant qu'on commence la vidéo, je compte sur vous pour que vous mettiez dans les commentaires vos trois joueurs de foot, enfin vos joueurs de foot préférés. Comme ça, peut-être que je pourrais faire une prochaine vidéo, voilà, où vous mettez votre joueur de foot préféré. Donc si par exemple c'est, je sais pas si c'est Giroud, bah vous mettez Giroud dans les commentaires et puis voilà. Bon, du coup c'est parti. On va directement commencer la vidéo. On va entrer directement dans la base de Kylian Mbappé, donc c'est parti. Hop, on va du coup aller toquer chez Mbappé. Oula, c'est pas une ouverture normale ça. Oula, on a une porte bizarre là qui s'ouvre. Ok, d'accord, est-ce qu'il s'ouvre doucement comme ça? Ok, bon, on va aller du coup entrer chez Mbappé vu que la porte a l'air d'être quand même bizarre. Donc tac, je pense que c'est comme ça. À mon avis, c'est pour se protéger des personnes qui veulent rentrer. Ok, oh Mbappé, t'es le vrai Mbappé? Oui, c'est moi. Ah, on salut parle. Ah oui, oui, on parle pas d'âge, pardon. Non, parce que j'allais dire, attends, t'as vraiment que 19 ans? Non, non, mais ne me parle pas d'âge, c'est pas l'âge qui compte. Ok, ouais, t'as raison, t'as raison. Bon, pardon. La ferveur d'esprit. T'as raison, Mbappé. Bon, du coup, Mbappé, je suis venu aujourd'hui parce qu'apparemment, t'as une mission pour moi. Alors, du coup, je sais pas quelle mission, bah, à quoi m'attendre parce que, bah, voilà, vu que je t'ai jamais vu, vu que, voilà, bah, du coup, est-ce que t'aurais une mission pour moi à me donner? Alors, c'est plus un défi qu'une mission. Ah, un défi. Donc, on va devoir jouer au foot dans Minecraft. Ouais. Je t'explique. Ouais. Je vais poser un villageois et on va devoir le taper. Et celui qui mettra le moins de temps à le mettre dans la cage aura gagné. D'accord, ok, bah moi ça me tente bien en tout cas, bah du coup quand tu veux. On laisse le goal ou on l'enlève? Oh, on peut le laisser. D'accord, ok, ça bloquera. Il bloquera, ça marche. Donc, tu veux commencer ou je commence? Bah tu sais quoi, ce que je vais faire c'est que je vais vite faire. Bah tu sais quoi, vas-y, commence. On va voir un petit peu si t'arrives à le mettre dans la cage. Et après, ce sera à mon tour. Je pose le. Vas-y, pose le villageois du coup. C'est parti. Et à mon avis, je me concentre. À mon avis, du coup, ce qu'il va faire, c'est que Mbappé va du coup ensuite taper le villageois jusqu'à ce qu'il entre dans les cages. On verra bien du coup qui arrivera à le faire entrer en premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même agrandir les cages parce que c'est vrai que le villageois, ça va peut-être être compliqué de le faire rentrer sinon. Voilà, nickel. 3. Tu comptes, Twinner? Vas-y, 3, 2, 1. Et c'est parti! Ok, nickel. Ouch. Oh, j'en ai mis 2, excuse-moi. Bon bah voilà. D'accord, ok, bon bah je pense qu'on peut dire que t'as réussi ta mission. Bon, par contre juste on va les tuer parce que voilà. Ok, nickel, bon bah franchement bien joué. Bah je crois que t'as été plutôt fort. Bah du coup c'est à ton tour, vas-y. Ah bah pose... je les ai mises en 2 secondes. Vas-y, pose-moi, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est parti. Et voilà, allez hop, voilà, c'est bon. Je pense qu'on a fait une égalité, tout je pense qu'on part sur une égalité. Bon, je pense que. Au pire, tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on a qu'à faire, c'est que tu poses un villageois et c'est celui qui met le dernier coup qui a gagné, d'accord? Et moi, j'ai le droit de défendre ou d'attaquer, comme tu veux. Voilà, vas-y, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, du coup, c'est parti, les amis. On commence du coup le combat entre moi et Mbappé. Donc, du coup, bah, bon, par contre, si le villageois il se coince lui-même, ça va être compliqué. Hein. Attendez, attendez, les gars. Ok, vas-y, bah repose-en parce que lui il s'est coincé tout seul ce débile là. Ok, c'est quoi ce que je vais faire? C'est qu'attends, juste les empêcher de passer par là. Voilà, nickel. Allez, go, quand tu veux. 3, 2, 1, c'est parti. Tac, tac. Oh, 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 c'est moi. Oh non, Twinner, tu m'as battu. Yes, ok. Bon, bah du coup, Mbappé, vu que j'étais battu, je pense que j'ai le droit à une petite récompense quand même parce que j'ai battu un jeu. Bon, non, ah, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de parler d'âge, c'est vrai qu'on parle pas d'âge. Pardon. Tiens, Twinner, j'ai une petite récompense pour toi. Oui, c'est quoi ça? Me dis pas que c'est des grumeaux de substance blanche. C'est ce qu'on appelle de la substance en football. Ça s'appelle la substance blanche de football. C'est des petites balles que tu lances. Ah, c'est des grumeaux de substance. Ah, d'accord. Ok, ok. Et on ne parle pas d'âge. C'est peut-être comme ça que j'ai gagné. Mais c'est autorisé dans le football. Ah, oh, quoi? Ah, d'accord, je viens de comprendre. Ah, d'accord. Ok. Et bien du non, coup bah pas Twinner. Non mais d'accord. Ne parle pas d'âge, ne parle pas de. Ouais ouais, on évitera d'en parler. On évitera d'en parler. D'accord. Ok, bah franchement bah c'est cool Mbappé. Bah là bah bénef pour toi. Si t'as réussi à gagner avec bah avec ta substance. Et du coup bah, moi je vais te laisser tranquille parce que j'ai plein de trucs à faire. Ah bah si hein. Si. Bon les amis, pour ceux qui ont compris quelle est la substance d'Mbappé, bah mettez le mot dans les commentaires. Et du coup voilà. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Et puis bah en tout cas pour l'instant c'est gratuit. Peut-être qu'un jour ça sera payant. Et le jour où ce sera payant, bah ce serait dommage parce que vous
pourrez plus vous abonner à toutes les chaînes que vous aimez. Donc dès maintenant, si vous voulez ne louper aucune de mes vidéos, bah abonnez-vous, puis voilà. Bon, du coup, on se retrouve maintenant pour la deuxième base. On va maintenant aller du coup dans la base de Messi pour finir avec celle de Ronaldo. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Du coup, je vous dis à tout de suite. Et donc du coup voilà les amis, c'est parfait. On va maintenant passer du coup à la base du coup de Lionel Messi. Donc du coup Lionel Messi, l'Argentin, du coup voilà. Je pense qu'on va directement rentrer hein, sans plus attendre. On va quand même prendre du coup la balle de foot que Mbappé m'a passé. Et du coup c'est parti, tac, je vais rentrer dans la base. Ah ok, donc faut rentrer de l'autre côté je pense. Tac, je vais aller toquer et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose, tac. Ah, salut Messi. Hola. Salut. Oula. Comment tu vas? Oh, ça va très bien, et toi, Messi, comment ça va? Ça va très très bien. Putain, Messi, il est mastoc, en tout cas, regardez ça un peu. Regardez, oh, t'as un joli tatouage, là, sur le bras, là. Sympa, hein, ton tatouage. Merci, Twinner. Ah, ça va. Bon, du coup, Messi, je suis concentré. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis concentré, j'ai bientôt le match. Ah, et t'as bientôt ton match de football? Oui, pas de tennis, la tennis c'est pour les filles. Excusez-moi. Bon, du coup, le match de football qui arrive, c'est quoi? C'est celui contre le Venezuela, c'est ça? Si. Venezuela, ok. Bon. En espérant que cette année vous allez gagner la Copa América. Et du coup, qu'est-ce que tu veux que je te fasse aujourd'hui comme petite mission là? Est-ce que t'aurais besoin d'aide pour quelque chose? Si, Twinner, je voudrais bien une piscina. Une piscine. Tu préférerais pas plutôt un jacuzzi, tiens? Un jacuzzi, hein? si, un jacuzzi. un jacuzzi, hein? pour être avec mes enfants. Avec tes enfants. Filles. Et avec ta copine aussi qui est un peu enfant, non, c'est ça? Si. Oui, ok. Para dos mujeres. Ok, bon les gars, je vais pas vous dire de quoi est-ce qu'il est en train de parler parce que c'est vraiment un petit peu hardcore. Mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais directement lui faire sa petite piscine. Alors du coup, pour faire la petite piscine, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre alors je sais plus, mais je crois que les blocs de magma, si je dis pas de bêtises, sous l'eau font des petites bulles, je sais plus trop si c'est ça. On va quand même essayer, donc tac, hop, de l'eau ensuite, hop, voilà. Alors je suis pas sûr, hein, comme je vous ai dit les amis, mais c'est possible. Ok, nickel, bon il y a des petites bulles qui sortent des trucs de magma comme vous pouvez le voir. Donc du coup voilà, c'est plutôt cool. Hop, tac, à moins que... Ouais non, du coup tac, on va mettre des blocs de magma partout un petit peu près. Comme ça on aura plein de petites bulles. Ça va être plutôt cool, vous allez voir. Hop. Voilà, comme ça les amis, ça va vraiment faire un petit jacuzzi. Nickel. Bon bah du coup n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Voilà, nickel. Bah là je pense que c'est bon. Bon bah du coup Messi, voilà, je t'ai fait ton petit jacuzzi. Regarde moi ça, en plus je t'ai mis du chauffant sur les pieds. Donc du coup comme ça quand t'entres là dedans, tes pieds ils chauffent et je pense que ça va te plaire hein. Qu'est-ce que t'en penses du coup Messi? Très très bien. C'est bien. Oh, regardez-moi toutes les bulles qui sortent là. Regardez-moi les amis, toutes les bulles qu'il y a dans le truc de... Et bah nickel. Bah du coup, bah moi j'espère que cette petite truc te plaira. Regardez-moi ça. Regardez les gars, toutes les bulles là. Wow. Ah ouais, d'accord. Wow. Bon, nickel. Bon bah du coup, est-ce que t'as... Ce jacuzzi est super. Ah bah ce jacuzzi est super, mais je pense qu'il... Des bons étirements. À mon avis, je pense que ton jacuzzi serait mieux avec deux filles, hein. Deux mineurs. Si. Avec deux enfants. Et un Kinder Country. Ah, non, un Kinder Délice, je crois que c'est. Ah, non, c'est Pingouin. Ah, voilà, c'est ça. Kinder Pingouin, voilà, c'est ça. Kinder Pingouin, et quoi d'autre déjà? Il y avait un autre truc aussi dedans, je crois. Ah, du jus de pomme, voilà, du jus de pomme. Si, Une salade. Une salade des champignons. Ah, les champignons. Ils viennent d'où les champignons d'ailleurs? Ah, c'est des bons champignons de Paris. De Paris 13ème et de Calais. Ok, nickel. Bon, bah, du coup, je pense qu'on a fini pour skipper toutes ces petites histoires. J'espère du coup. Que cette... Ah, ouais. Je veux bien ta petite récompense quand même. C'est les ailes, ouais. C'est les ailes d'Angel Di Maria. C'est les ailes de Angel Di Maria. Ok. Voilà, donc, du coup, tac, je vais les essayer, les ailes de Angel Di Maria. Ah, bah, franchement, elles sont super classe. Avec ça, je peux voler du coup. Wow. Si. Ah ouais les amis, franchement c'est super cool. Bon bah du coup merci beaucoup Messi, je te fais la bise, tiens. Oula. Vas-y. Bon nickel, bah franchement bien, dans mon jacuzzi, non moi, je vais tester avec tes copines dans le jacuzzi, moi je vais pas là dedans. Mais en tout cas il y a plein de petites bulles et tout, ça a l'air d'être vraiment cool en tout cas. Bon allez j'y vais hein, moi je te dis à plus, allez, bye bye. Adios. Bon, les amis, franchement c'est le gros bordel dans la piscine à Messi. Vous avez vu un petit peu, franchement je trouve ça super classe. Donc du coup voilà pour ce qui est de la base du coup de Messi, on se retrouve maintenant directement pour la base de Ronaldo, je vous dis à tout de suite.
Ok, donc du coup les amis, on se retrouve pour la dernière partie du coup de la vidéo. Donc du coup on est là pour la base du coup de Cristiano Ronaldo. Donc du coup voilà, donc c'est parti. Bah je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller toquer chez lui, voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Et 3, 2, 1, c'est parti. Entrez. Ok, bon, je crois que les amis, il y a Ronaldo qui m'a dit qu'il fallait que je rentre, donc du coup, hop, on va rentrer, voilà. Oh, salut Ronaldo. Hola, mon amigo. Hola, 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 oye. Comment ça va, Ronaldo? Comment está? Ah, yo, muy bien, muy bien. Super bien, bien toi. Muy bien. Ok, bon, du coup, Ronaldo, je suis venu aujourd'hui parce qu'apparemment, on m'a dit que t'avais besoin d'aide pour que je te fasse quelque chose. Alors du coup, moi, je sais pas en quoi t'aurais besoin d'aide en particulier, mais si t'as besoin d'aide, bah moi, je suis là. Donc du coup, bah dis-moi, qu'est-ce que t'as besoin que je te fasse ou que je t'aide pour quelque chose ou quoi? Je t'écoute. Oui, 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 oui. J'ai besoin d'aide. Tu sais très bien que je suis portugais. Ouais. Et que j'adore la morue. La morue. T'adores la morue chez vous? La morue, la morue, ah, oui, comme ah, on dit oui, chez vous. La morue. Ouais. J'aimerais que tu me prépares. Que tu me prépares un plat de morue. Un plat de morue, une brandade. Est-ce que ça te dirait une brandade de morue? Je sais pas si tu connais, c'est quoi. Non. Ok, bah en gros, la brandade de morue, en gros, c'est un peu une sorte de purée avec de la morue dedans. T'aimes bien ça ou pas? Oh, j'adore ça. T'adore. Maria refait tous les soirs. Maria, ah, c'est qui Maria? Maria. Maria, c'est ma daronne. C'est ta maman, maman Maria? C'est Maria Cristiano Ronaldo. C'est Maria Ronaldo. Ok, bon, du coup, c'est parti. On va du coup lui faire sa petite brandade de morue, du coup, à Ronaldo. Donc du coup les amis, bah, je pense qu'à mon avis, on va devoir lui faire un truc assez sympathique. Donc du coup tac, on va prendre du coup de la morue qui est déjà cuite. Donc tac, on va prendre, allez. Vu que Ronaldo, à mon avis, c'est un bon mangeur, on va lui en mettre 10, une dizaine, voilà, comme ceci. On va ensuite lui mettre des patates, les amis, pour faire tout simplement, enfin des pommes de terre, pardon, pour faire tout simplement la brandade de morue. Du coup voilà, on va mettre voilà, brandade. On va mettre du coup les pommes de terre à chauffer avec du charbon, du bon charbon. Hop, voilà, du charbon. Ouais. Hop, voilà, nickel, tac, et hop, on met ça là-dedans. Nickel, donc pour ce qui est des pommes de terre, elles sont en train de chauffer, donc là, pour l'instant, c'est cool. La morue, elle est déjà cuite, donc on va mettre ici de la morue, et tac, on va maintenant mettre un petit peu de lait, les amis, pour tout simplement un petit peu enlever tout le sel qu'il pourrait y avoir dessus, donc tac, hop, voilà. On va mettre toutes les morues, voilà. Là, les amis, là, il y a les morues qui sont en train de se purifier, parce que vous savez que les morues, ça doit être très salé. Enfin, elles sont conservées, genre, vraiment avec beaucoup de sel. On va aussi jeter une petite fiole d'eau, parce que, ouais, on va devoir nettoyer aussi les morues. Voilà, nickel. Bon, je pense que les morues sont plutôt propres, c'est parfait. On va prendre maintenant, du coup, les pommes de terre. Combien tu veux de pommes de terre? Oh, 5. 5 pommes de terre, bon. Les amis, franchement, là, monsieur Ronaldo, il fait le gourmand. Du coup, on va lui mettre, du coup, 5 pommes de terre. Ok, donc tac. Voilà, bon là, je pense c'est que prêt? Si... Ouais, c'est prêt. Attention, je peux avoir un peu de pain, s'il vous plaît. Du pain, ok, bon, on va donner du pain, du coup. Du pain à Ronaldo, donc du coup, tac, voilà. Combien de pain aussi, tu veux? 3 pains. Allez, 3 tranches de pain, c'est parti. Bon, du coup, voilà, bah, je pense que ça te plaira. Bah, goûte-moi un petit peu ça. Et dis-en-moi des nouvelles. Oula, oula, les amis. Oula, les gars, franchement, là, il y a Ronaldo qui nous fait des bruits bizarres quand il mange. Oh, à mon avis, ta branlette de pommes de terre et de morue me plaît beaucoup. Ah, c'est vrai qu'elle était... Moi, je trouve que c'est plutôt bon, non? Oui, oui, c'est vraiment très bon. Je t'en ai laissé goûter, tiens. Tu m'en as laissé une? Ah, merci beaucoup. Oui. Bon, tac, je vais goûter aussi la brandade de morue, pardon, tac. Voilà. Bah, franchement, c'est pas mal. Merci beaucoup, en tout cas. Et bien, du coup, Ronaldo, est-ce que t'aurais pas un petit cadeau pour moi avant que je parte d'ici? Parce que je t'ai quand même fait un joli repas. Bien sûr, j'ai le ballon en or qui m'a servi de gagner et d'inculer la France. Le ballon d'or qui t'a fait gagner la France contre l'euro à l'euro 2016, ouais. C'est ça? Okay, oui, voilà, bon, je les ai bousillés. Bon, vas-y, ferme ta gueule. Bon, allez, vas-y. Du coup, moi, j'y vais, Ronaldo. Ouh, je sors de la twinner. Ok, bon, allez, je sors de l'attaque. Hop, voilà. Bon, on ferme la porte. Voilà, nickel. Bon, du coup, voilà, les amis. Ronaldo est enfermé. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de continuer à vous abonner parce que on atteint les 100 000 abonnés. Mais plus on va atteindre les 200 000 abonnés rapidement, plus j'organiserai un concours qui sera vraiment épique. Donc, du coup, dès maintenant, abonnez-vous tous. Et sur ce, moi, je vous dis, bah, n'hésitez pas à cliquer dès maintenant pour regarder une de mes autres vidéos qui seront l'écran et je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Hep hep hep, t'allais vraiment regarder la vidéo sans mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite? Et bah tu sais quoi, mets-le dès maintenant en appuyant sur soutenir un créateur, twinner-du-bas-de-l'XR, tu mets accepter et tu pourras participer à un concours pour gagner des V-Bucks. Allez voilà, sur ce je te dis bon visionnage.